Samedi, la médiathèque du Teche s'est installée sur le port. Une journée hors les murs, ponctuée de nombreuses animations. Alors Céline Moiret, directrice de la médiathèque du Teche. Alors aujourd'hui c'est la médiathèque prend l'air pour la deuxième année. Donc c'est une opération qui consiste à sortir de nos murs pour à la fois présenter ce qu'il se passe à la médiathèque et puis en même temps proposer des animations comme des ateliers. Cette année on a du pliage de vieux livres, on a des pop-up, de l'origami également. On a également une association qui est venue nous aider cette année, ça s'appelle One Child One Chance et qui propose une activité mandala à la fois dans du coloriage et également dans la réalisation d'un mandala nature géant où les enfants amènent tout au long de la journée des feuilles, des cailloux, des coquillages et vont réaliser ce grand mandala. Également aujourd'hui un stand de jeux d'antan, donc de jeux en bois anciens, voilà, avec Jacques Giraud qui est venu avec tous ses jeux et qui fait participer les gens et qui a énormément de succès. Et puis cet après-midi là, à 15h30 nous partons pour une balade comptée avec Monia qui est conteuse et également Julie qui est animatrice à la Maison de la Nature et qui va faire participer les petits et les grands autour, voilà, avec des petits ateliers sur les petites bêtes et les plantes de la nature. Voilà.